qu'à refaire, on referait pas pareil. Parce que là, on est dans la chambre d'amis. On s'est fié à ce mur-là pour partir. En fait, on a commencé à partir de ce mur, donc on est parallèle à ce mur. Sauf que c'était un mur d'origine du mas, donc il n'était pas droit. Donc cette pièce-là paraît à peu près droite. Mais le plaquiste, quand il nous a fait les couloirs, lui, il est parti d'équerre. Et c'est du couloir qu'on aurait dû... C'est du couloir qu'on aurait dû partir, on aurait été d'équerre. Ça nous aurait évité toutes ces coupes-là. On retrouve un peu dans toutes les pièces, du coup. Voilà, dans toutes les pièces, on voit que ben, ça semble pas droit, en fait, la pose. On n'a pas pris le bon mur de départ. Donc du coup, de partout, on a des petites coupes. Hop. Là aussi, on le voit bien. Ouais, ça va être comme ça tout le long, puisque ben, comme on est parti sur ce mur là-bas et qu'on n'a pas fait d'interruption, Partout, on a des coupes comme ça, à moitié. Bon, alors l'écart, il n'est pas énorme, c'est 5 mm, mais 5 mm, ben, ça joue. Il faut voir le bon côté des choses, on est devenus des champions dans les coupes. Donc en arrivant sur le chantier ce matin, mauvaise surprise, il a beaucoup plu ces derniers temps et on peut voir le micocoulier, et ben, il a basculé comme on le craignait. Donc heureusement pour nous, il a basculé du bon côté, pas côté bâtiment. Mais c'est vrai qu'il lui restait plus beaucoup de terre et comme on s'est rendu compte après coup qu'il était sur une dalle de roche, on a bien compris qu'il ne pouvait pas avoir de racines en profondeur. Et avec tout ce qu'il a plu, bah, le peu de terre qui restait a dû partir avec la pluie et il est tombé. Bon. On va essayer de le tirer pour l'évacuer. Et puis bah, si on n'y arrive pas, il faudra le couper sur place. Worlds apart. It's fucked.
now we're lost in limbo.